Alors, bonjour tout le monde à la maison. Ici Pascal de Yoga Cœur Action, comme certaines me connaissent. Vous n'êtes pas sur Radio-Canada, mais vous êtes sur Zoom avec certains professeurs de l'équipe de Yoga Cœur Action qui souhaitent vous dire un beau mot pour vous annoncer aussi les couleurs du printemps et vous faire part de leur présence. On s'est ennuyé de vous, les élèves, puis on souhaite vous revoir en grand nombre dans les prochaines semaines. On est en train de préparer tout ce qu'il faut pour se voir sur Zoom ou de d'autres manières. Alors, tour de rôle, je vais laisser la parole à chacune d'entre elles, en commençant par Julie dans quelques instants. Bonjour tout le monde, je me présente Julie et je vous accueille chez moi dans mon espace pour vous offrir des séances de yoga qui vont arrimer les mouvements, ramener un peu là, notre attention à l'intérieur de soi tout en enchaînant les postures une après les autres. Et comme vous voyez, j'ai aussi mes chats qui vont faire partie parfois du visionnement avec vous. Donc, on se retrouve les dimanches sur Zoom, entre autres. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour tout le monde. Alors, c'est Louise. J'enseigne le mercredi matin, normalement à 10 h au studio de yoga Cœur Action. Alors, bon, ici en confinement, souvent, en tout cas, moi, c'est mon cas, j'ai besoin de garder une routine pour garder une stabilité, une espèce de paix. Et pour celles qui pratiquaient déjà, celles et ceux qui pratiquaient déjà, je pense que c'est le temps, si vous n'êtes pas revenu, de revenir à une routine, de revenir à un horaire, à quelque chose qui nous stabilise, qui nous fait du bien. Puis le yoga, je sais parce que je vous connais, mes élèves, et celles qui ne connaissent pas, bien, ça va me faire plaisir de vous montrer un petit peu mon style de yoga. Je suis une fille qui enseigne beaucoup sur l'alignement. Je prends beaucoup, beaucoup de soins là-dessus parce que moi, j'ai un corps qui est difficile et j'ai besoin que mon corps soit bien aligné pour pouvoir profiter de tous les bienfaits des différentes postures de yoga. Donc, même avec Zoom, je l'ai expérimenté la semaine dernière. On a réussi, je pense, pour celles qui étaient là, à faire un échange intéressant. C'est pas parfait. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer avec cet outil-là. Puis, je pense qu'on n'aura pas le choix dans le futur de travailler avec ça. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de revenir à un horaire que vous aviez avant pour celles qui étaient là déjà le mercredi matin et pour les autres, ben, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Et puis aussi de se dire que il y a toutes sortes de types de yoga, puis chez Yoga Pure Action, vous avez le choix. Mais moi, je crois qu'on peut vraiment méditer dans l'action, c'est mon cas. Moi, les postures de yoga, on peut, une fois qu'on est bien installé dans le corps physique, on peut revenir à une paix intérieure, à un calme, à sa respiration. Et à retrouver donc le bien-être que nous apporte le yoga. Alors, c'est un rendez-vous. Je vous attends. J'aimerais vous retrouver le mercredi matin, 10 h. Merci. À la prochaine. Bonjour tout le monde. Edith, je vais donner des cours de Qigong le vendredi matin à 9 h 30. Donc, s'il y en a qui n'ont jamais essayé ces exercices fabuleux, ben, c'est la chance. Vous avez la chance de le faire par l'intermédiaire de Zoom. Ça a l'air que c'est là qu'on est rendu. Donc, c'est l'art de se maintenir en bonne santé. On va faire des exercices. Mon intention pour le printemps, c'est vraiment de vous donner des outils pour que vous puissiez par vous-même pratiquer, faire des petites pratiques, puis pour pouvoir se connecter, puis s'enraciner. Je pense qu'on a vraiment besoin présentement, puis rester en contact avec qu'est-ce qui est le plus qu'est-ce qui est plus solide à l'intérieur de nous pour garder une paix malgré tout qu'est-ce qui se passe autour. Donc, mon intention, c'est de travailler la vitalité du corps, l'ouverture du cœur, puis la clarté de l'esprit. Simplement avec des exercices lents de respiration, des beaux mouvements qui vont s'apparenter à la nature, puis ben, en tout cas, ça va me faire vraiment plaisir de partager cette passion-là avec vous. Au plaisir de vous voir. Merci.
Bonjour, chers élèves de correction. Moi, c'est Lise. Alors, je vous invite pour la session printemps à venir me rejoindre. Hein. On ne peut pas se rassembler en studio, mais bien sûr, on peut se rassembler sur Zoom, tous ensemble. Moi, je vous propose un cours assez varié où on va faire de la pleine conscience, méditation pleine conscience. On va faire aussi du Qigong et yoga doux, yoga yin surtout. Alors, je souhaite que vous puissiez vous joindre à moi à chaque semaine parce que de ce temps-ci et même toujours, pas juste en temps de pandémie, le corps, le mouvement, c'est la chanson du corps. Alors, d'être ensemble, de chanter par le corps, de se recentrer, de s'aligner, d'avoir une communication ensemble, de cœur à cœur, eh bien, je pense que ça va nous nourrir et ça va nous permettre à tous, à chacun d'entre nous, bien d'avancer sur ce chemin qui est le nôtre. Alors, chaque personne suit son chemin et parfois, dans le chemin, bien, il y a de la roche, c'est tortueux. Mais le yoga permet, le Qigong, le yoga, la pleine conscience, ça nous permet vraiment d'être un souffle à la fois, un jour à la fois. Et dans les cours où on va être ensemble, ben c'est ça qu'on va pratiquer, le souffle à la fois, le moment après moment et un jour à la fois. Voilà, c'est en attendant de pouvoir se retrouver tous ensemble, parce qu'un jour, c'est sûr qu'on va se retrouver tous ensemble en studio, j'en suis assurée. Mais en attendant, il faut qu'on continue, puis il faut qu'on se tienne tous entre nous. Donc, à bientôt, j'espère. Je vous remercie d'avance de votre belle présence chez Cœur Action. C'est vous, les élèves, qui faites de Cœur Action ce qu'il est en ce moment, ce magnifique studio où tout est tellement sincère et réel. Alors, à bientôt. Namasté. J'ai hâte de vous voir. Alors, bonjour, je vais faire du pouce sur ce que Lise dit. Je trouve ça tellement beau, la chanson du corps. Effectivement, j'ai envie de vous dire, venez en faire des chansons virtuelles avec nous. Sur Zoom, moi, j'enseigne le yoga les mercredis soirs et c'est plus un cours de fondation multiniveau. Donc, on va s'adapter à ceux qui sont présents pour montrer différentes façons de faire les pauses et aller plus loin pour certains qui sont plus avancés, mais toujours dans le respect du corps. Et mon intérêt cette session-ci, ça va être beaucoup aussi de travailler le système immunitaire dans chaque pose, beaucoup d'ouverture dans les épaules, dans la poitrine, dans les jambes, pour pouvoir stimuler le système immunitaire, faire plus de travail respiratoire, de pranayama, et naturellement développer aussi une attitude méditative à travers les poses. Donc, mon cours du vendredi matin est un cours de thérapeutique restaurateur. Donc, on va travailler différentes thématiques et aussi de l'importance de se calmer le pompon par les temps qui courent. Donc, un travail au niveau de se déposer dans un soutien des outils qu'on a pour nous relaxer davantage, donc pour mieux respirer, ouvrir le corps avec une passivité. Et donc, je vous invite, c'est un mercredi soir, vendredi matin, et aussi naturellement à voir tous les autres profs en même temps. On a tous notre particularité, on est tous uniques, et venez nous visiter, et on veut que Yoga Cœur Action continue, donc bienvenue.
Alors, vous voyez, nos professeurs sont prêts. On en a d'autres beaux professeurs, bons professeurs, Jean-François, Sandrine, Stéphanie, Hélène, entre autres, qui aimeraient certainement être là pour vous, mais qui sont retenus par des obligations familiales. Alors, pour sûr, nous, ici, on est prêts à vous recevoir en mode Zoom, peut-être même en plein air pour certains professeurs lorsque le temps va être plus chaud. Et on souhaite de tout cœur que vous preniez bien, bien soin de votre santé. On sait que, oui, c'est beau marcher, le vélo, ça, on vous encourage à écouter les oiseaux au bout. C'est magnifique et c'est essentiel de prendre l'air en ce moment. Mais je sais que les outils de Qigong, de méditation, de yoga ont des grands pouvoirs pour vous recentrer, pour travailler organiquement, pour apprendre à rester dans le moment présent. Puis c'est ça qu'on a besoin en ce moment pour faire face à tous les stress, à les traumatismes que la société a vécu dans les dernières semaines. Mais le meilleur est à venir, puis on attend juste qu'on est là pour vous occuper de vous, puis on souhaite que vous fassiez un pas de l'avant, soit pour recevoir les capsules vidéo, soit pour venir en Zoom avec nous, ou encore de venir nous rejoindre en nature quand le temps va être prêt. Alors là, je vais mettre tout le monde avec du son. Vous allez voir la mosaïque des professeurs qui vont vous faire un bel au revoir dans quelques instants. Donc, les filles, on est là pour les élèves. Ouais, au revoir. À bientôt. Namasté, en souhaitant vous revoir très bientôt. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye. À bientôt. Câlin virtuel.